les crêpes Suzette, un grand classique. Hein, en fin de compte, c'est le beurre Suzette. Hein, que les crêpes Suzette, on les confond très souvent avec les crêpes flambées. Hein, ce n'est pas du tout la même préparation. Ça peut être la même finition, parce qu'elles peuvent être flambées ou pas. À la base, à l'origine, Auguste Escoffier faisait donc ses crêpes Suzette avec son beurre Gil Blas. Et pour la version Suzette, donc, il changeait l'alcool avec du curaçao et du jus de mandarine. Alors, nous allons préparer le beurre pommade, hein, avec donc du beurre ramolli. Hein. On va rajouter dans ce beurre 4 belles cuillères de sucre. Après, un petit peu plus. Hein. Alors, le beurre pommade est bien prêt. Maintenant, on va faire dissoudre les carrés de sucre, ces carrés de sucre que l'on a zestés sur l'orange et sur le citron. Donc dans la recette, hein, c'est pour 6 crêpes, il y a 16 morceaux de sucre, 4 qui sont frottés au citron et le reste à l'orange. Hein. Voilà. Une fois ça fait, on va presser le jus des oranges sur le sucre. Bon, normalement on fait à la fourchette, mais non. Voilà. La deuxième orange. Voilà le jus d'orange. On va rajouter. Là, on commence à dissoudre les sucres. On va rajouter la liqueur d'orange et le cognac. Donc à peu près 2 centilitres hein, de chaque. Hop. Voilà, et on va continuer à dissoudre le sucre. Voilà, que l'on va rajouter au beurre pommade. Petit à petit, on va mettre. Voilà notre beurre Suzette. Hein. Alors, c'est un travail qu'on peut faire à l'office, hein, préparer son beurre Suzette avant. On peut le faire également en salle. Bon, ça prend un peu plus de temps. Donc, nous allons faire la finition en salle devant les clients. Hein. Donc, nous allons passer les crêpes dans le beurre Suzette et les dresser sur assiette. Donc, on fait chauffer un petit poêlon. On va mettre une bonne cuillère de beurre Suzette. Hein. Beurre Suzette. Voilà. Et on présente la première crêpe. Voilà. Que l'on va plier. Et que l'on va garder. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu mon feu.
Voilà. On recommence l'opération. On continue. On a suffisamment de beurre, hein. Voilà, je pense que pour la dernière, je ne vais pas en rajouter. Voilà, nos crêpes sont prêtes. Donc on va dresser comme ça. Première assiette. Voilà. Voilà la première assiette. On a remis un peu de beurre dessus. On peut décorer avec des zestes d'orange qu'on aura préalablement blanchi et confit au sucre. Voilà. Après, si on veut, même les oranges, on peut les confire dans de la grenadine. Ça donne un peu plus de couleur, c'est un peu plus vivant.